Cette nuit, j'ai fait une belle prise, regardez ce que j'ai ramené. Putain, que t'as fait une belle prise, mon gars? La nuit était calme, putain. Oh, ça c'est cool. Bon, on craft. Il a faim, il a besoin de repos. D'accord. On va crafter. Qu'est-ce qu'on peut crafter? On peut rien crafter du tout et c'est de la merde. Ok. Ah. On en fait un quand même, on est obligé de toute façon. Y'a pas de marchand qui passe là, y'a rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, bon tu vas aller cuisiner, tiens. Ok. Bah, il en fera deux. Oh, ils ont tous faim par contre. Donc, lui va manger. C'est lui qui est parti collecter quand même. Pendant que Bruno est en train de dormir. Et la fameuse va aller. Oui. Qu'est-ce qu'il me faut en fait pour en fabriquer, pour en faire plus? Tiens, toi tu vas aller cuisiner pour voir. Tu vas aller aussi cuisiner. Je crois que c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut du combustible en fait. Mais le livre, on s'en bat les couilles, frère. Ah bah c'est la femme qui va cuisiner, non? Non, il nous manque de l'eau, oui. Ouais, 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 il manque d'eau. Donc, on va manger. Lui, il a faim. Bon, tu vas manger une boîte de conserve. Lâche-toi. Toi en bleu, en bleu. Quelqu'un est à la porte. Toi, tu manges. Et toi, tu vas à la porte. Ouais, vas-y, montre-moi ce que t'as, frère. Ouais, ok. Est-ce qu'il a des armes? Il a des munitions, il a du alcool, mais non, pas d'alcool. Il a ça. Il a des bandages, des médicaments. Ce n'est pas donné. D'accord. Consommable. Il nous faut de l'eau, oui. On va tout prendre. Est-ce que marché conclu si je te propose de la merde, par exemple ça et ça? Ok, on va enlever ça, on va lui passer du sucre, on en a masse. 5 sucres pour 6 trucs d'eau, ok, d'accord. Combustible, on devrait en avoir. Et du bois. D'accord. Plus. D'accord, alors 5 sucres, 2 diamants et un truc comme ça pour tout ça. Moi, ça me semble honnête. Pour l'instant. 3 bandages. Est-ce que si. What? Dites-moi pas que. Oh putain! Oh non, je lui passais plus de trucs. Alors que j'ai rien pris d'autre. Oh là là, la débilitude. Bah bon, c'est pas grave, je lui ai pas passé des trucs intéressants. Je lui ai pas passé trop de trucs importants, mais c'est pas grave. Alors, il me faudrait, monsieur, il me faudrait quoi d'autre? Non, non, t'inquiète. Il me faudrait. C'est ça. Cette cigarette faite à base avec du vrai tabac, elle fait souvent office de devise en temps de guerre. Je crois que ça va être tout.
pour le moment. Cimer. Bonne chance à toi aussi. On va voir ce qu'on peut crafter. Mais a besoin de repos. A besoin de beaucoup de repos. Ah, ils ont plus faim. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, ils avaient plus faim. Je leur ai donné à bouffer. Donc, a besoin de repos. Toi, tu peux encore bouger. A besoin de beaucoup de repos. Je sais pas où il va, lui. Mais bon. En tout cas, je sais qu'il va dormir ce soir. Qui va rester? Toi, tu montes. Ok. Tu vas pioncer un peu. Collecteur expérimenté. Lui, j'aurais besoin de lui ce soir. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ah. On peut en fabriquer combien? Aïe, aïe, aïe. C'est soit le pied de biche, soit la pelle. Mon choix est vite fait. A besoin de repos. Ça va, tu peux encore bouger. Donc, encore bouger. Ok, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? On a besoin de quoi? On a besoin de beaucoup de matériel. Putain. Je pense que si on améliore l'atelier de métallurgie. Enfin, je pense. Enfin, je vais voir. Pour l'instant, a besoin de beaucoup de repos. Besoin de beaucoup. A besoin de repos. A besoin de repos. Donc lui va partir collecter ce soir. Je sais ce que je vais ramener. On amasse bouffe, mais si on en trouve, on en ramène quand même. On n'a pas beaucoup de combustible. On a des médicaments, on en a bien. Comme il faut. Donc oui, on va terminer la journée, les amis. Partir collecter, non. C'est toi qui vas partir collecter. Ouais, et bon, on va la faire monter la garde toute seule. Comme ça, on aura deux mecs en forme. Mais bon, de toute façon, si on se fait cambrioler, bon. Appartement en ruine, station, prudence recommandée, chance possible, non. Danger, supermarché. Croisement des tireurs d'élite, non, 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 non. Petit immeuble, danger, non. Beaucoup d'armes, danger, du don, non. Beaucoup de pièces, beaucoup de nourriture, beaucoup de matériel, beaucoup d'armes. Non, je les vois pas, vos armes. Bon, normalement, il devrait y avoir personne. Donc dormir, dormir, monter la garde, oui. Pied de biche. Un comme ça. Couteau. J'espère ne pas avoir à l'utiliser. Et oui, comme il le faut, je prends une boîte de conserve. On sait jamais si on trouve un pauvre. Et oui, si on peut aider quelqu'un, on le fait. On n'est pas des enflures. Ok. Si c'est vide, si c'est si vide et si calme, ça me fout les jetons. On va dézoomer pour voir s'il y a du danger d'ici. D'accord, ok, ok. Oui, on prend, on prend, on prend. Ça, c'est du matériel, c'est bon pour nous. Bien. Il y a l'air d'avoir personne, hein. Non, non, il y a personne. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Ça fait vite. Le landau n'est pas vide. Quelques objets se sont... C'est parti à l'intérieur, un hocher, un crabe souriant, bien abîmé par des dents de bébé. Un biberon à moitié rempli d'un mas gélatineux qui était probablement une recette pour bébé. Quelqu'un a dû partir à toute vitesse ou il n'en avait plus besoin. Café, tac. D'accord, on va jeter le moins important. C'est une marchandise de valeur. D'accord. On a la bouffe, mais non, je jette pas la bouffe. Ça.
Qu'est-ce qu'on a là? Ça, il nous en faut. De toute façon, je reviendrai ici. Je reviendrai ici obligatoirement. D'accord. D'accord. On peut jeter des trucs en bois. D'accord. Ok. On peut prendre ça. Mais pour l'instant, non. Fait chier. D'accord. Donc on a beaucoup de matériel. Fait chier. Fait chier, fait chier. Donc, ouais. On va prendre le matériel qu'il y a là. D'accord. Douille d'armes à feu. Vide, non, ça dégage. Je me suis dit que j'ai bien fait de vérifier. Mais quoi que, avec ça, on pourrait les remplir en fait. Mais bon, pour l'instant, l'heure n'est pas ça. Mais c'est un bon endroit, j'y retournerai et je fabriquerai une scie. D'accord. Là, ça va, ça a été le jackpot. On est tranquille, on vit bien pour l'instant. On vit vraiment bien. C'est cool, y a pas de soucis et tout, tu vois. Tranquille, la famille. Bien. Sauvegarde. Jour 4. Ok, j'espère qu'on s'est pas fait piller. Putain. Oh, fait chier. Oh non. Bon, ça va, on a trouvé de la nourriture, mais bon. Oh, c'est chiant. C'était un groupe de durs à cuire, mais ils n'ont réussi qu'à... Les agresseurs sont partis avec beaucoup d'objets précieux, nous devrions davantage monter la garde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu de l'eau, il nous en reste deux normalement. Deux trucs d'eau. On va essayer d'améliorer notre... L'atelier de métallurgie, j'améliore direct, je me pose même pas de questions. Et de toute façon, je vais me faire foutre vu que je n'ai pas assez. D'accord, est-ce qu'on peut améliorer ça? Putain, ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. Avocate talentueuse, a besoin de repos. Ah, je pense qu'elle avait fumé. Bon, c'est la plus proche. Non, c'est... Lui. Ok, combustible. What? Voilà, c'est bon, on a utilisé le 4 et voilà, c'est fini. D'accord. Donc on peut vraiment rien péter de plus. C'est quand même un grand bâtiment. Voilà, je pense qu'on n'a pas tout visité en haut. Donc on va remonter déjà parce que je t'ai pas dit de descendre. Toi, est-ce que tu peux cuisiner? Oh putain, fais chier. Bon, on va devoir manger cru. Quel dommage. Il y a quelqu'un à la porte. Oui. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Bonjour le voisin, ouais, je tranquille la famille, tu veux quoi? Bien le bonjour, j'habite en bas de la rue, j'ai remarqué que vous viviez dans ce bâtiment abandonné, j'ai des informations pour vous. Il y a eu un ravitaillement aérien et de l'aide humanitaire la nuit dernière. Les rebelles se sont emparés de la plupart des conteneurs, mais ils en ont raté un. Il a atterri dans un no man's land. Slound comme un PD, je l'ai dit.
Donc l'atteindre sera peut-être dangereux, mais nous devrions y arriver à la faveur de l'obscurité. Je vous montre où il se trouve en échange, vous m'aidez à porter les provisions. Marché conclu. Une seconde. C'est lui la fin, mais c'est Pablo qui va y aller. C'est lui qui va y aller. Oui, Pablo ira. Je l'envoie à Pablo. D'accord. Ok, nos affaires. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller collecter, je crois. Ou peut-être que si. Si, on va les collecter. Je sais ce que je vais faire ce soir. Ah, de légères blessures. Ah oui, toi, tu vas aller te soigner, mon gars. D'accord, on descend encore un peu. On a 3 bandages, donc ça va, on s'en sortira. Ça devrait guérir maintenant. À de légères blessures, à des bandages, à faim. Donc bon, tu vas manger ça. Toi, tu vas monter. Certes, c'est dommage, mais c'est mieux que rien. Non. Voilà. Dommage que je ne sois pas cuisiné. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme ça, les gens, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les collecter encore ce soir. Et puis, basta. Vas-y, mon frère, casse pas les couilles. Est-ce qu'on peut fouiller ici? Non. D'accord, on va finir la journée. Donc, partir collecter. A toujours faim, a besoin de repos. Donc, lui, bon, ils vont monter la garde tous les deux. Ils vont avoir besoin de repos tous les deux, mais. Ils vont monter la garde tous les deux. Et je vais leur laisser le couteau, vous savez quoi? Je vais leur laisser le couteau. De toute façon, je vais dans un endroit. Je vais au même endroit. De toute façon. Donc voilà. Donc de toute façon, on est venu pour tout prendre. Non, ça on avait déjà vu. Ok. Non, ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. D'accord. On prend ce qu'il y a là. Normalement, au-dessus, on devrait plus avoir de place pour que ce soit. D'accord. On a douille d'armes à feu, bois. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 8, 8, 8. D'accord. Plus ça. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut monter encore?
Non, c'est bon. Bon, on y va. Bon, on a récolté que ça. Pas de bouffe. Mais ça nous permettra d'améliorer nos ateliers. Donc ça, c'est cool. Et ça nous permettra, bon, bah, de faire une scie. Et de faire de meilleures armes, je pense. Déjà, on a de la bouffe. J'espère qu'on s'est pas fait piller. Je leur ai laissé un couteau. Donc, j'espère qu'ils sont pédés. Non, je rigole. Enfin, j'espère qu'ils se sont bien défendus, quoi. Jour 5. On a survécu 5 jours, c'est bon. Pavel est de retour. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Ouais, mais ta mère, toi. La nuit était calme. Yes. Oh, bien. Il a ramené de l'eau, du café et de la bouffe. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est cool. On s'en sort plutôt bien. Ça part vraiment bien. Donc ça, c'est cool, c'est génial, ça. On va voir si on peut améliorer notre atelier de métallurgie. Je ne pense pas, puisqu'il y a trop de trucs à améliorer avec. On peut ? Oh yes ! Ah, c'est bon. On a réussi la vie. Non, c'est pas grave, ça. Ça demande pas beaucoup de trucs, en fait. Vous voyez, ça, je le récupère en une fois, ça. Mais c'est vraiment génial qu'on puisse améliorer notre atelier de métallurgie. Parce que, en gros, on peut fabriquer, je crois, une hache. Combien on peut en faire? Est-ce qu'on a du combustible? A besoin de beaucoup de repos. Si on peut en fabriquer x2. Un repas cuit simple, vous en avez 0. Bon, bon, on en fait. Et toi, tu vas crafter, mon ami. Lame de scie, hache, pelle, fusil, à canon, pistolet. Alors, les amis, un casque. Une hache. Ah oui. Alors là, j'ai dit oui. Et voilà, les amis. Pas ce soir. Mais je pense. Le jour 6, enfin le jour 7 plutôt, on ira. Il y a quelqu'un à la porte? Non, il n'y a personne. D'accord. Toi, tu bouffes. Marco va bouffer. Et les autres, ils bouffent. Non, putain, j'aurais dû mettre Fable. J'aurais dû mettre Fable à bouffer parce que lui, il est sorti. Et tous les autres sont bien nourris. On va passer cette journée. A toujours faim. Bah, tu sais quoi? Genre, on vous allez manger ça. Tac. Et Pavel va m'en manger un. T'as toujours faim? Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, ils sont tous rassasiés, a besoin de beaucoup de repos. Voilà. Vous voulez terminer la journée? Je sais pas, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au lit, en fait. Et on va attendre qu'il y ait le... Putain. Je leur fais faire un petit footing. Ah, ça va, il est arrivé, mon gars. D'accord, hop, au lit. D'accord, hop, tu montes. Ok. Toi, tu vas dormir. Ils vont tous se coucher un petit peu. On va attendre que la journée se termine. Et on se retrouve